On va dire qu'il l'a réparé, hein. Faut peut-être que je lui reparle quand même. C'est toi qui m'as tiré d'embarras la dernière fois, non? Je suis venu pour réparer la tour de reconnaissance. Le terminal marchait plus à cause de l'humidité. Mais j'ai retapé ça en deux temps trois mouvements. Avec cette histoire de piège, j'ai pris du retard sur mon programme. J'espère que ce sera pas trop... J'espère que ça a pas trop mis mes copains dans la mouise. À l'entreprise de construction. Dès que je suis un peu calmée, je file à la prochaine tour de reconnaissance. Ça marche, fais donc. Moi, je lance une reconnaissance parce que c'est une tour de reconnaissance. Voilà. Ah, il y a encore plein d'îles hein, aux alentours. J'ai envie d'aller dans cette île pleine de nuages et d'éclairs. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais j'avoue que j'ai envie d'y aller. Je pense pas que ce soit une bonne idée, mais j'ai envie d'y aller. Carte de la surface mise à jour. Effectivement, je pense pas que ce soit une bonne idée d'y aller. Ouh, par contre, regardez ce qu'il y a là. Ça, en revanche, on va y aller. Ça, carrément, qu'on va y aller. Ouais, 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 ça, c'est bien une petite stèle. Ça, il faut prendre en photo, ça. Photo! Enregistré. Ça en fait encore 10 ou 11, je sais plus. Quelque chose comme ça. Alors, par contre... non, le village des limites, il est plus au nord. Faudrait plus se rendre vers la balise jaune. On y va? Allez, c'est parti, en route pour la balise jaune. Du moins, on va essayer. Du coup, la tour... Petit sanctuaire sur le chemin. Ça me semble dangereux, hein, si on fait le... Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon... Bon, j'ai vu autre chose d'intéressant en chemin, mais sinon, je l'aurais fait. On serait peut-être mort, mais... On va dire que la stèle nous a sauvés. Je pouvais pas faire les deux. Il a fallu choisir. Est-ce qu'on a fait le bon choix, ça, par contre je sais pas. De toute façon, on ira. Hein. Faut pas s'inquiéter. Et je me demande si ça serait pas le gros nuage, il serait pas au-dessus du domaine Zora. C'est peut-être là où il y aurait le temple de l'eau, du coup. Parce qu'on a eu le temple du vent, le temple... C'était quoi le nom du temple des Gerudo? La forme qui recouvre? C'est quoi ce nom? Faut que je fasse un truc qui glisse sur le double rail, là? Est-ce que genre, on prend ça? On colle ça? On prend ça? On pose? Et on monte dessus! Petite glissade tranquille. Oh non, il y en a plein à faire! C'est normal que j'arrive, la planche se barre? Est-ce que c'est normal ce qui vient de se passer? D'accord, je crois que c'est bien pour nous montrer que... Si on la met juste comme ça tient pas et ça tombe.
Et du coup, je dirais que faut qu'on s'arrange pour ne pas tomber. Éventuellement. Je pense, hein. Par contre, le coffre qui est là, il m'intéresse. C'est un peu dangereux, ces trucs, non? Voilà, je fais une petite structure pour aller au coffre. Structure incroyable. Voilà, c'est juste pour accéder au coffre. Ensuite, on s'occupe de descendre sur les rails, ça va être incroyable, on va tomber. Bon, merci pour le remède. Et je prends. Faut qu'on arrive à glisser tout ça sur une planche sans tomber. Alors en fait, la solution elle est pas très compliquée. Hein. Ou alors j'imagine qu'elle est pas très compliquée. En fait, ça va totalement foirer et on va complètement tomber. Admettons, on met ça là. On met ça. Peut-être pas aussi loin, les rails sont pas si... Est-ce que vous croyez que là ça tient? Ça a toutes les chances de tenir quand même. Attendez parce que faut que je puisse monter dessus quand même. Avant qu'ils ne partent. Mais... Retourne-toi! Ok, vous êtes prêts? On est parti! Ça passe ou ça casse? On va tomber, on va mourir. Adieu, monde cruel! Ça passe! Facile. Coucou Kulo, comment ça va? Franchement, facile, aucun problème. Ok, maintenant on fait la même mais en montant en plus. Avec en plus les rails qui sont pas les mêmes, faut changer de rails. Incroyable, on va mourir. Alors ce jeu tu l'aimes. Ah mais ce jeu je l'aime. Ah ouais là on fait des choses on fait des choses pas du tout dangereuses. En plus tout va bien. Donc il faut que mon rail soit assez large pour ma plateforme soit assez large pour toucher les deux rails. Et en même temps, en fait, il faudrait juste que je prenne et que je garde ma structure de base. J'y rajoute juste un comme ça. Un comme ça. Tu l'as déjà fait, lui? Oh bah lui, il est top en vrai comme donjon. On pose le tout comme ça. Techniquement, ça devrait bien se passer. Sur le papier, ça se passe bien. La théorie, ça se passe bien. La pratique, je sais pas si ça va être la même chose, mais... Ça va bien se passer. Moi, je suis sûre et certaine de mes capacités. Ça va très bien se passer. En plus, j'ai l'impression que ça a monté tout, ça va être terrible, on va tomber. C'est parti, on décolle! En plus, j'avais pas vu, mais ils sont pas droits, les trucs.
Attendez, quoi? Ah non, mais s'ils sont pas assez de pêche pour pouvoir me faire monter, on fait comment, là? C'est quoi ces ventilos nuls qui sont pas capables de me faire monter? Oh non! Je l'ai bien dit sur le papier, c'était bien. En pratique, c'est pas la même chose. Va falloir que je réduise la taille. Faut que je retire une planche. Enfin, je pense qu'il faut que je réduise la taille. Le tout, c'est d'arriver à bien... C'est juste le passage pour prendre celui du milieu qui risque d'être... délicat. Ok. On va juste bien replacer... Lui, on va juste le décaler, on va le remettre un peu plus centré. Voilà, 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 ça passe, ça passe, ça passe. Voilà, voilà, ça passe pas. Aïe. Il y a un peu trop de poids d'un côté, du coup, en fait. Faudrait arriver à équilibrer le poids. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais peut-être la déplacer du coup ici, celle-là. Ça répartirait un petit peu plus le poids. Ok, on en est au troisième essai. Ça va bien se passer. Troisième essai. Peut-être un peu. Je vais faire l'inverse. Mettre ça comme ça, non? Ok, troisième essai. Ok, 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 ok. Ça monte, ça monte. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. On est plus très bien. Non, on n'est plus bien, ça va pas. Aucun problème. Accident. Non, il n'y a pas d'accident. Ah, par contre, j'ai plus ma plaque que j'avais. Mais c'est peut-être pas une mauvaise chose, en fait. Après, pourquoi essayer de se mettre sur les deux rails? Et si je partais vraiment que sur un rail? Je pourrais aussi faire ça, ne partir que sur un rail. Il faudrait juste arriver à choper le rail du milieu. C'est vrai que là, je veux absolument partir sur les deux rails, mais est-ce vraiment nécessaire? Oh, Link. Bouge-moi ça bien. Ah, mais en fait, j'ai pas vraiment le choix. Ah, quoi que je peux me mettre. Comme ça, en vrai, on est pas mal. On met nos petits ventilateurs. On répartit bien le poids partout. Ok, cette fois, je suis sûre, celle-là, c'est la bonne.
Si tu veux un indice, au bout d'un moment, je te le donnerai. Ouais, y a pas de souci. Pour un moment, j'ai pas encore renoncé avec mes idées incroyables. Je suis sûr que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On se met au centre, ça va bien se passer. Ça se passe très bien. Mais c'est ce virage, il est terrible. Qui c'est qui nous a fait un virage pareil? Tu as de bonnes idées en vrai. Attends. Ah non, je peux pas utiliser. Ah non, ça c'est chiant par contre. On peut pas utiliser le. Je viens d'avoir une idée, c'est encore mieux. Vous allez voir là, je vais vous faire un truc. Ça peut pas tomber. J'ai eu une idée encore bien meilleure, moi je vous assure. Ça va le faire. Parce que vu qu'on a tendance à glisser, on va régler ce problème de glissade. Attendez, je crois que je vais pas avoir assez de... J'ai pas assez de planches pour faire ce que je veux. Oh non, il m'aurait fallu mes planches en métal, mais ils me les ont pris. Ils me les ont retirées, mes planches en métal. C'est nul. Honnêtement, je voulais refermer par en dessous. Quoique, c'est peut-être pas encore tout à fait pas possible. Hein. Ce qu'on peut faire. Là, je garantis pas que ça fonctionne. Je garantis rien du tout. Après, si le truc il tourne mais qu'il arrive à rester sur les rails, en vrai, on s'en fout. Ok. On va essayer de rester de ce côté-là pour faire contrepoids. Quoi? Ils ont mis des trucs exprès pour bloquer ou quoi? Ah ouais. Ils l'ont fait exprès. Ça, c'est pas juste. Regardez, ils ont mis des petits crampons là exprès pour pas pouvoir que je fasse mon idée. C'est pas gentil. C'est du boycott, moi, je dis. J'ai des très bonnes idées, mais ils me boycottent. Comme ça, je suis pas du tout sûre que ça fonctionne, du coup. Hein. Il y a plus de marche que ce que je pensais. Non, tombe pas! Reviens! Je l'ai pas mis du bon côté. C'est rien, je l'ai pas mis du bon côté. Faut juste le décaler. Arrête de t'envoler. Faut le mettre de ce côté-là, en fait. Voilà, arrête-toi. Ah ouais, mais pour le raccrocher, en fait, je suis obligée de le... J'ai oublié de tout casser pour le raccrocher. Sinon, après, j'ai encore une autre idée, éventuellement. C'est de prendre une planche plus petite. Parce qu'à la limite, on peut faire la même chose, mais on prend juste une petite planche au lieu d'une... Coucou Capola, comment ça va? Bienvenue à toi. Hop, mais tu t'en vas où? T'en vas pas. Bouge pas.
Non mais oh. Ok, on colle ça de ce côté-là. Ok. Nouvel essai. Pourquoi tu bascules? Coucou Valiance, comment ça va? Bon. Il est temps de sortir l'arme secrète. Le problème, c'est que j'ai pas assez de plaques. Je veux plus de plaques. Quoi qu'en vrai, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, mon idée. Ça devrait le faire. Pourquoi que je peux le mettre juste en dessous? Ouais. Ouais, on va faire comme ça. Bon, par contre, il va falloir faire gaffe parce qu'il va éventuellement falloir... Éventuellement, il va falloir que je bouge en même temps que la structure. Oh, limite, je peux me mettre dans le cube en dessous, en vrai. Ça serait plus safe. Ça serait carrément plus safe si je me mets dans le cube du dessous. Je sens que ça va donner un truc bizarre, cette histoire. Mais au moins ça pourra tourner tout autour du rail, hein. Faut juste bien s'accrocher. Ça va le faire. Là je dois avouer que j'arrive au bout de mes idées. C'est un peu la dernière. C'est la dernière chance. C'est parti ! Il veut pas s'accrocher, Link. Il veut pas le tenir, il veut pas grimper dessus. Ça passe, elle est pas incroyable, mon idée. Voilà. C'était pas si compliqué que ça, en fait. Je sais pas si elle est conventionnelle, mais... Mais elle est incroyable en tout cas. Ah. Ça, c'était pas prévu. Oh quoi? Attendez, non, c'est bon, on peut sortir. Pas de panique. J'ai cru qu'on était bloqué, mais non. C'est bon, pas de panique, on n'est pas bloqué. C'est une victoire. Voilà. Tranquille. Alors à la base, j'ai pas fait comme ça, mais j'ai... Ah, mais de toute façon, c'est ça qui est beau dans le jeu, c'est que t'as plein de solutions. Une fois que t'as trouvé une qui te convient, c'est parfait. Le principal, c'est que ça passe. Bah, il va bien plus au jour, il était bien. Enfin, ce sanctuaire. Franchement, top. On aura mis un peu de temps pour le faire, celui-là, mais... Moi, il était bien. Alors, reprenons notre destination. On se dirigeait donc vers la balise jaune, qui est donc... Une étoile filante! Non, c'est pas une étoile filante. Qui est donc la...
La tour. La tour, la tour. Il se met à pleuvoir ou quoi? Non? Sinon on va glisser. Eh, ça balance les flèches de foudre, hein. Ça va, j'ai pas le temps de m'occuper de vous. Sinon, que penses-tu du jeu? Dur, facile, mieux que le premier? Mieux que le premier, c'est possible, ouais. Pour moi, je saurais pas trop dire encore. Dur. Je pense qu'au niveau de l'histoire principale, ça va, mais à mon avis, il y a des boss qui vont être très compliqués, mais des boss, à mon avis, hors histoire principale. Genre les espèces de dragons qu'on a vus. Donc je pense que en termes de difficulté, ça me paraît être bien nivelé. Autant bien, il y a des choses qui sont faciles, qui te permettent de finir quand même le jeu sans trop galérer. Mais qu'en même temps, si tu veux plus de difficultés, tu peux aller la chercher. Les dragons à trois têtes. Quoi, vous avez jamais vu les dragons à trois têtes? Il y en a un peu partout qui se baladent. Ouais, ouais, j'en ai croisé un ou deux. Mais non, mais laisse-moi tranquille, toi, je t'ai rien fait. Je les ai pas encore vraiment affrontés, je les ai plutôt évités. Bonjour. Voilà, ça c'est... Après, le jeu offre quand même des possibilités incroyables qui ne sont pas dans le premier, comme par exemple ce que je m'apprête à faire si je trouve l'item dont j'ai besoin, qui s'avère être ce champignon de confusion que j'aime énormément. Et je viens de me prendre un coup de foudre. Et ça, je trouve que c'est... Bah, il est mort. Ça, c'est clairement le truc que je trouve incroyable, le champignon de confusion. J'aime tellement ça. C'est tellement la vie, le champignon de confusion. Tapez-vous dessus. Qui c'est qui a fait ça? C'est qui le con qui a tout fait sauter? Ah là là. Il y en a un, il a tout fait exploser. Et du coup, ça m'a tué une fée, bravo. Ah, bravo, messieurs. En termes d'histoire, elle me paraît être bien plus développée que dans le premier. Et c'est vrai que les souvenirs, autant... Les souvenirs dans le premier de Zelda à retrouver par rapport aux photos, c'était un peu compliqué à choper. Tandis que là, les souvenirs sont quand même bien plus simples à récupérer, ça, je suis pas contre. L'espadon royal, le problème, c'est que je suis pas fan des espadons... Ouais, laisse tomber, j'en veux pas. J'aime pas les armes à deux mains. C'est un fait. J'aime pas ça. Ça tape dur, mais c'est lent. Et je me fais arracher, tout simplement. Quand j'ai ce genre d'âme dans les mains, je me fais arracher parce que c'est trop lent. Après, ouais, au niveau de la difficulté, moi je le trouve pas spécialement plus simple que l'autre. Je pense qu'en termes de difficulté, on est à peu près équivalent à Breath of the Wild. Hein. C'est quel monstre que tu aimes le moins? Pour le moment, je n'ai pas tout affronté. L'équipe d'eau, je pense qu'il faut qu'on en parle. Parce que l'équipe d'eau... Autant ils sont moches. Et techniquement, je les aime pas, mais je les aime bien en même temps. Parce que... Bah parce qu'ils sont différents. Le fait que tu lui leur fasses rien en termes d'attaque physique, c'est trop bien. Et en plus, ils ont vraiment des sales têtes. Ils me font penser aux... Je sais plus comment ils s'appelaient, c'était dans Ocarina of Time. Les espèces de zombies là qui te figeaient sur place. Ils me font trop penser à eux. Pourquoi, je sais pas. Mais ils me font penser à eux. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ces trucs-là, en vrai. Elle est encore loin, ma tour, là? Ah ouais, elle est encore super loin.
Pour être plus avancé que toi, je dirais que l'histoire, oui, c'est la même difficulté, mais pour le reste, le lit, c'est plus dur. C'est plus dur. Bah, je me rappelle que les lunettes, déjà, ils me posaient des problèmes. Les lunettes, c'était déjà bien chiant. Après, il y a les souterrains. C'est vrai que je suis pas encore allée énormément dans les souterrains, mais je pense que ça doit être assez tendu là-bas aussi, hein, le fait qu'il y a le miasme et que tu puisses pas te soigner. Ça, je pense qu'en termes de difficulté, ça va être pas mal aussi. Faudrait que j'y fasse un petit peu plus un tour. Faudrait y aller un peu plus. Hein. Là, l'objectif, on va dire aujourd'hui, c'est d'arriver jusqu'à les limites. En prenant les tours sur le passage, ça serait pas mal. Je pense que peut-être pas aujourd'hui, mais la prochaine fois, ce serait bien qu'on aille, qu'on retourne dans les profondeurs. Après, j'avoue, il y a pas mal de bestioles, j'ose pas. Je vois les machins, j'ose pas y aller. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Elle est là! On l'a trouvée, la tour! Excusez-moi, messieurs, je ne fais que passer. Je vous laisse tranquille. Mon objectif, c'était cette tour, pour moi. Il y a des nourritures qui soignent ou protègent du miasme. Ouais, ouais, ouais. C'est les... Ça, je connais, c'est les fleurs dorées, là. Radieuses. Les fleurs radieuses, non? Je crois qu'elles s'appellent comme ça. Un truc dans le genre. Parce que j'en ai de la nourriture qui soigne du miasme. Bonjour. Attention, je vais me tuer. Il me semble que j'en ai fait, hein. Ouais, j'ai des trucs bioluminescents aussi, ça. Je sais pas si c'est super important, mais voilà. Et les fruits de vapeur solaire, ça soigne le miasme. Ouais, ouais. Ça, je pense, on va en avoir besoin. Ah, mais non, mais il pleut! Ah, merde! Tu es une joueur pro. Pro, non. Non. N'abusons de rien, voyons. Diffago de bois, 120 rubis. J'ai été trempé et gelé jusqu'à l'os, alors il fallait que je me chauffe Fissa, de l'argent bien investi. 3 tentes, 300 rubis. 300 rubis et 3 tentes. Ça fait 100 rubis la tente. C'est cher les tentes. On n'allait quand même pas laisser le bois de chauffage de nos bagages prendre la flotte. Bon. Bah écoutez, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un truc pour protéger de la pluie. Soyons d'accord. Ouais, je m'en doute, de toute façon, on est près de la zone des auras, donc il doit pleuvoir, on le voit en bas, il pleut encore pendant 20 ans, donc à tous les coups, il s'arrêtera jamais de pleuvoir ici. Peut-être quand on aura réglé le problème des auras. Tac. Faire un truc assez large, faut qu'il repose sur les deux. Sur les deux échafaudages là, sur les côtés. Hop. Un peu de construction, on aime bien. Pam. Tu veux pas te mettre correctement, toi? Non, il veut pas se mettre correctement, il abuse. C'est pas grave, tant pis.
C'est de l'abus total et complet. Ah mais attendez, j'ai encore une grande planche là. Paf paf paf. Par contre, j'ai une crainte quand même, c'est que le truc il prenne feu en même temps que les ronces. Ça, j'avoue. Ça serait pas terrible. Oh, mais non, mais il est passé en dessous. Mais non, mais ils me font n'importe quoi. On n'a pas assez de place là, vous voulez qu'on fasse des trucs immenses pour se protéger de la pluie. Mais on n'a pas de place. Après, je pourrais peut-être déjà le placer, ça me ferait de la place. En fait. Ce truc est beaucoup trop grand. Tac, 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 tac. Je veux dire que je peux pas le caler. Si, 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 ça se cale. J'ai dit, ça se cale. Voilà. Voilà. Pop, pop, pam. Est-ce que vous croyez qu'il est mis n'importe comment ce truc? Est-ce que vous croyez que ça paraît pas mal là? Est-ce que vous croyez qu'on est protégé de la pluie sauf qu'il est pas droit du tout? Mais j'arrive pas à le... Mais c'est la misère à mettre ce truc! Pourquoi? C'est qui nous a sorti une idée comme ça? J'arrive pas à le poser sur ces échafaudages! Je l'avais bien mis! Tu veux pas te relever plus? Est-ce que je pourrais pas monter sur ces échafaudages? Est-ce que ce serait pas plus simple si je monte dessus? Non, je ne suis pas en train de galérer. C'est totalement faux. Non, c'est pas ça que je veux. C'est à cause des lampions là que je galère! Quelle idée de mettre des lampions! Ok, je suis tombée, mais c'est pas grave, il est bien mis. Bon! Bah, j'espère que ça passe. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Ça brûle! Ça brûle! Ça brûle plus? Ça semble cramer les planches au-dessus, par contre. Ouais, toi, c'est bon, ça marche. Oh, feu! Bon, bah, ça va, vu ce qu'il pleut. Ça va pas tellement. Ça va pas tellement se propager. Oh, bah, d'ailleurs, il y a une chute d'eau qui tombe du ciel. Hein. Quand je vous le dis que ça vient des auras, toute la pluie. Faut régler le problème des auras encore. Là, il pleuvra plus. Comment ça va? Bienvenue à toi! Regardez-moi cette cascade là! C'est sûr, ça vient des auras! Des auras là, il y a de l'eau partout! Le tour, je trouve ça génial! Non, mais j'avoue, c'est trop bien le tour! C'est bien pour prendre de la hauteur! C'est de la faute des auras et hop, ce sera sorti de son contexte et amplifié. Bah, c'est de la faute des auras s'il pleut. Du coup, il est pas là le village des limites, il est plus au nord? Ouais, je crois qu'il est plus au nord le village des limites. C'est là-bas, c'est ça qu'on cherche. Franchement, il y a une tornade là avec des éclairs et tout, c'est une tempête. Autant chez les piafs il neigeait, chez les auras il pleut. Non, franchement, là, cette cascade, là, dites-moi pas qu'il faut pas le stuff de Zora.
qui permet de remonter les cascades et remonter toute la cascade pour monter. Dites-moi que c'est pas ça. Je vous croirai pas. Dragon ! Dragon juste en dessous ! Attendez, il est vraiment juste en dessous, je peux tellement lui mettre une flèche là, on peut pas passer à côté, hein. On pouvait pas passer à côté, hein. Ah, j'ai eu un lag. Corne de Nedrak. On dit que la corne de l'esprit d'Azur Nedrak, qu'elle cristallise la puissance même de la glace. Attachez-la à une arme pour en augmenter prodigieusement l'attaque. Plus 26 de puissance d'attaque. Voyez, il pleut encore. Je vous l'ai dit, chez les auras, il fera que pleuvoir. C'est sûr. Mais c'est sûr, hein, aussi, à la cascade, moi je vous le dis, hein, la tenue de... des auras, on remonte la cascade et c'est comme ça qu'on monte. Hein. Ça, vous me direz pas le contraire. Hein. Je crois qu'on va faire un truc marrant. On va se tuer, mais on va faire un truc marrant. Y a pas de volant en plus, c'est parfait. Comme ça, on peut pas le piloter. Pas droit, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais Mimphia, mais laissez-la, on l'a beaucoup aimée, Mimphia, c'était la meilleure. Mais laissez-la, c'est bon, elle repose en paix maintenant. Elle repose en paix. Bon bah... on y va, hein.